Mais elle va la départager. Qui est-ce qui a été? Ouais, mais c'était bien. C'est qui tous les deux. Le vrai Ismaël? C'est que je suis. Ouais. Ma fistine, elle, au moins, elle a chanté un peu. Mais ah, ouais. Elle a chanté légèrement organe, mais ça va. Ok. Mais tellement aussi, lui, il est tchaoul plus que la musique. Mais ça va. Mais elle a rattrapé quand même. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Vous venez saluer Ismaël Isaac. Venez, voilà, c'est gentil. Merci. Merci. On me fait dire que dans quelques instants, Alpha Blondie interviendra dans cette émission. Une jeune dame pour nous entretenir sur notre scène. Une jeune dame symbole de persévérance, découverte lors de l'émission Start en Air. Elle s'est accrochée aux ailes de la chance. Aujourd'hui, elle vole très haut dans les ventes de disques. Bamba, Ami, Sarah. C'est juste pour m'amuser. L'histoire continue. Shadow Christ, toi ou dans les bottes. Sacaré mi zika, ay, 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 ay. Resumo la
Bamba Misara, merci encore des applaudissements pour cet artiste. Ismaël, quand tu vois les jeunes danser comme ça, ça te rappelle les années Smurf ouais. Dance. Yeah, c'est Smurf, ouais. En tout cas, quand il a sauté la chaise, ça a coupé mon cœur. Ouais, deux fois là, si tu n'es pas inspiré, si elle tombe, si ta nuque là, ah, c'est ouais. Soi. Hein. Ouais. Mais c'est qu'elle suit les cracra. Ouais, mais c'est, ils s'entraînent beaucoup. Hein, ils s'entraînent beaucoup. Mais il faut qu'ils fassent attention aussi. Mais quand ils dansent ça là, il ne faut pas avoir trop de problèmes dans la tête. Faut être dégagé dans la tête, sinon tu apprendras. Ouais. Mais c'est que c'est propre. C'est propre. Est-ce qu'un jour ça te dirait de faire un son coupé décalé, un mélange de reggae coupé décalé, non? Ouais, mais j'ai déjà fait un featuring avec un jeune chanteur Zouglou là, qui je l'aime bien, Eric Patron. Ouais. On a fait un featuring vraiment, ça c'est bien. Mais je peux faire aussi, je peux. Ah. Parce que moi je suis tout terrain. Hein. Je peux tout terrain. Ouais, mais ça peut arriver un jour. D'accord. On sait jamais. Moi, je les aime bien. Parce que sur moi, alors. Moi, je n'ai pas de totem, quoi. Mais où il n'y a pas de respect, là, il ne m'arrête pas là-bas. Sinon, il n'y a pas de totem. Ah. Voilà. Merci, Ismo. On va accueillir un autre chroniqueur. Il s'appelle Paul Agoubli. Il va venir vous expliquer, justement, sa chronique. Paul! Salut Paul. Alors, en quoi consiste cette rubrique? Bon, tu m'as fait juste un arrêt, ouais. L'honneur, tu m'as donné en même temps la lourde tâche de lire entre les lignes des chansons d'Ismaël Isaac oui. Pour voir ce que je pouvais découvrir dedans d'intéressant en termes de message, mais en termes aussi d'écriture, de construction du texte et tout ça. Oui. Voilà. Allons-y. Bon, d'accord, j'avais le choix, j'avais plusieurs albums d'Ismaël Isaac. Ouais. Et puis, presque par hasard, comme ça, je me suis arrêté sur Black System. Pourquoi? Parce que dans Black System, j'ai découvert qu'il y avait une organisation, disons, interne. Et bon, enfin, il fallait commencer par un commencement. Et c'était Korodjo. Alors, on va me dire, qu'est-ce que je vais dire dans Korodjo? À part vraiment quelqu'un d'un peu, disons, en appétit sexuel chaque fois. Qui aime les femmes et tout, et puis qui est tombé sur une fille un peu, elle aussi experte. Bon, c'est tout, il y a rien à voir. Sauf que, ouais. La chanson commence comment? Il dit, il paraît que tu t'appelles Korodjo, ouais. Plusieurs fois. Voilà, et en même temps, il vante les exploits du monsieur. Et puis après, il dit, mais tu peux dire comment, elle est là, elle ne craint rien, ainsi de suite. Alors, la question, c'est comme si je disais à Didier ou je disais à Ismaël Isaac, il paraît que tu t'appelles Ismaël Isaac. Donc, c'est curieux, il s'appelle Ismaël Isaac ou pas? Alors la question, c'est que ça interpelle celui qui s'appelle comme ça. Il paraît que tu t'appelles DJ Bleu.
Ah bah ouais, tiens, je m'appelle Didier Bléou. Tu m'étonnes que je m'appelle Didier Bléou. Ouais. Et pourquoi on lui dit ça? Mais pour que justement il puisse questionner, est-ce que vraiment il est Korodjo? Alors finalement, il y a une traduction dans la chanson. Il dit Londo Korodjo le Wilira Ko Abewa. Ce mondial-là n'est pas très bon, hein. Il en fait. C'est-à-dire, un jour, Korodjo a croisé, et c'est ce que vous dites dans la chanson, a croisé la gauche Chiquita sur le chemin. Ça, c'est vraiment du français littéral. Si on veut rentrer dans le malinqué, voilà ce que la traduction fait. Un jour, Korodjo s'est levé. Il a décidé qu'il devait s'en aller là-bas. Et sur le chemin, il a croisé la gauche Chiquita. C'est quand Korodjo a décidé de se lever qu'il a décidé d'aller là-bas, chemin faisant, qu'il a découvert la gauche Chiquita et qu'il s'est questionné sur l'essence de son être. C'est donc dans le déplacement, c'est dans le mouvement, c'est quand on est en déplacement comme en voyage qu'on peut découvrir qui on est. Tant qu'on reste statique, on est dans l'apparaître, on est dans ce que les gens croient qu'on est. Et donc finalement, le thème du voyage est un thème majeur qu'on retrouve dans l'autre chanson qui est « Sans papier ». Et dans la chanson « Sans papier », on retrouve des gens, disons des Noirs, qui sont en situation d'exil et qui en exil questionnent la nature de leur être. Qu'est-ce qu'ils sont par rapport au territoire dans lequel ils sont et par rapport au territoire qu'ils ont laissé en arrière et derrière eux. Donc cette pérégrination, le voyage devient parcours initiatique. Et dans ce parcours initiatique, on questionne ce qu'on est par rapport à ce qu'on a laissé derrière soi. Donc essentiellement, les thèmes du voyage et du questionnement de ce qu'on est, c'est ça qu'on retrouve dans les chansons. Et on a vu un bout à travers les réfugiés qui étaient chantés en intro. Ben, d'accord, ça veut dire que il chante beaucoup le voyage, oui, sans le savoir en fait. Oui, mais parce que finalement, et Black System, ça finit comme ça. Hein. Vous dites, les enfants, je ne sais pas si vous pouvez le dire, Andjoula, les enfants qui sont nés en Europe, ce sont ceux-là, justement, un jour, qui vont prendre le contrôle du monde. Alors donc, dans ce principe du voyage, dans ce parcours initiatique, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a l'être resté, ou des gens qui sont restés sur le territoire, et par rapport à eux, par rapport aux Africains, les voyages que l'on fait à travers le monde, et qui définissent totalement notre être, et qui font qu'on est des gens différents chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau. Et ce sont ces enfants de demain, ces enfants de loin, vous avez chanté, et après on a vu l'élection de Barack Obama, c'est cela. Voilà. Et ce sont ces enfants-là qui demain deviendront la lumière de l'Afrique. Et vous faites comme une sorte de prophétie pour dire, attendons-les, leur retour sera annonciateur de bonnes choses pour nous. Ismo, est-ce que tu te retrouves dans ce qu'il dit? Ouais, je me retrouve. En tout cas, il a tout dit. Hein. Ouais. C'est une chanson. Il y a des chansons quand on chante aussi souvent en malinké. Oui. Des fois, l'explication, quand tu veux expliquer deux fois en français, tu profond, perds beaucoup, en fait, beaucoup la valeur. Oui. Mais je pense qu'il a bien expliqué. Voilà. Il se retrouve, quoi, franchement. Ouais. Paul, oui, c'est tout pour bon, aujourd'hui. Il y a beaucoup non, à dire. Mais, c'était moi. Ouais. D'accord. On va s'arrêter là. On est d'accord, hein? Non, c'est bon. Parfait. Ouais, c'est bon. Merci. Bien, merci, Paul. Alors, Ismaël, voilà, et c'est bon. Alpha Blondie, et là, ça y est, Doud Lavo. Bonsoir, Alpha. Salut, Showtime. Ismo, écoute, le gagaba de trash. Écoute, je suis très content de savoir que tu es à Showtime. Quand mon jeune frère Didier Bleu m'a dit que tu étais à Showtime, je me suis empressé de répondre oui à son invitation et te dire bravo pour le travail que tu fais. Je suis très fier de toi et je suis un de tes grands fans. Ok, ta chanson Teri Djougou, quand je suis triste et quand toi, mon cœur est triste, quand je l'écoute, c'est comme un médicament. Ça me fait du bien. You know, continue de nous écrire des belles chansons comme ça. Ok, et tu as tous mes encouragements, que Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, continue de t'inspirer comme il l'a toujours fait. Hein? Voilà, ok, allez, je t'adore, et puis on te salue tous. Merci beaucoup à l'équipe présente chez Alpha. Petit commentaire? Ouais, Alpha, c'est comme un maître pour moi. Et un maître pour nous tous, parce que c'est lui qui a commencé la musique reggae en Côte d'Ivoire. Oui. On lui doit beaucoup, beaucoup de respect. Absolument. Voilà. Et c'est vrai, il aime bien la chanson Teri Djougou, parce qu'on était un jour en tournée en Espagne.
Troisième titre, c'était Terry Jou. J'étais en train de chanter et puis je vois, il y a quelqu'un qui était derrière moi. Il était dans les loges. Il m'a tapé. Je tourne, je vois que c'était Alpha et il m'a attrapé. Wow. On a chanté Terry Jou ensemble. Wow. Je ne peux jamais oublier. En tout cas, il aime bien Terry Jou. Ouais. Peut-être qu'il y a un ami qui l'a fait quelque chose. C'est pourquoi quand il écoute Terry Jou, là, ça le met dans les sciences. Ismaël, vous, Alpha Blondie et toi, vous êtes deux grands quand même de la musique reggae ivoirienne. Il est temps, hein, un jour de vous voir en featuring. Est-ce que c'est probable de vous voir en duo? Bien sûr, on va faire un titre ensemble. Parce que moi, il m'aime bien, parce que je l'ai toujours respecté. Je n'ai jamais eu de problème avec Alpha. Et j'ai dit aussi à tous mes petits frères, après moi, ceux qui sont venus, j'ai dit à tous mes petits frères de respecter Alpha, respecter les nés et tout ça. J'ai dit à tout le monde. Donc moi, je pense que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si c'est faire un featuring avec Alpha, un jour, on va faire un featuring ensemble. Bon, là, on a fini le dernier qui va sortir en juin. Parce que ça fait au moins 14 ans que je n'ai pas sorti d'album. Bon, dans l'album, il y avait 14 titres. Oui. Donc on a laissé le temps pour chaque titre de s'imposer. Oui. Donc maintenant, puisque ça fait 14 ans, il y avait 14 titres. Donc cette année, normalement, ok, Ismaël Isaac sort pour j'ai tous les bras morts en juin. À oui. Chaque fois, on me dit non, ça fait longtemps, l'album, non, faut pas faire ça. Voilà, mais en juin, je viens. L'album est déjà prêt. Combien de chansons? Il y a 14 titres aussi. Ah ouais? Donc, et vraiment... le titre de l'album, c'est 14 ou bien 2014? Non, mais l'album là, c'est Boutanjaï. Boutanjaï, aïe. Voilà, ouais. C'était aussi, c'est propre. D'accord. Ismaël, on va finir l'émission. Tu voudrais lui poser une question? Elle voulait te dire qu'elle est fan de toi. Elle dit depuis qu'on a commencé l'émission, elle ne veut pas rester. Non, elle-même, là, c'est un goût qui est trop patard. Mais ce qu'elle suit... Merci. Ce qu'elle suit... Même si elle a un djaï, là. Ouais. Moi, c'est ma dorsée. Moi, mon djaï, moi, là, n'est pas là. C'est là-bas, tu vois, non. Elle ou moi, c'est là. Où? Non, il n'y a pas ça dedans. Ah, d'accord. Elle, là, c'est ma pisse. Mais moi, ouais. C'est que ça, j'ai qu'elle. Quand tu me regardes, là, c'est un vieux mot qui a donné cri. C'est là. D'accord. Ismaël, l'émission est... pratiquement fini. En tout cas, c'est une bonne émission. Oui. Moi, je pense Showtime, là, vraiment, j'ai aimé l'esprit semi-live. Oui. Et c'est le début, je pense que ça va prendre. Okay. Voilà, ça va prendre. Tu as tous mes doigts où. Merci. Tu connais quand il fait doigt pour toi, là. Ouais. Le doigt est cracra. Ouais. Voilà. Après, quand il fait doigt où, là, il fait mon chapelet. Ouais. Voilà, fouetter. Le Kangapa. C'est propre. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ismaël Isaac va nous faire un show d'environ un quart d'heure avec notre disque jockey DJ Bombastic. Naturellement, il y aura les versions instrumentales de quelques titres, de quelques chansons donc, et Ismaël va poser la voix. C'est du semi-live, s'il vous plaît. Ismaël Isaac, il est à vous. Est-ce que ça va? Tout le monde de vous, dédicace à Nelson Mandela. Bob Maleka Foko Aile Selassie Bernice Pien Koko Makos Gavé Anyan Fablon Tikonye Kounanda Oufwe Ismaël Azako Nelson Mandela. On y va tout le monde. Ismaël Azako Mandela. Ismaël Azako Nelson Mandela. Tiantigi Alaya Tiantigi. Tiantigi Masaya Tiantigi. Tiantigi
Maleka fanko aile selasi Ben le fien koko ma kos gavé Anyan fa blon ni fana konyao Konana ufwe Isme razako Nelson Mandela Isme razako Mandela Ismael Azako Nelson Mandela Antar America Itonyu mambe mogoda Ansela Europa Baby donyu male fora Anya parafina ya punya baby mo Respect for Nelson Mandela Respect for Nelson Mandela Kaidi we say we On y va tout le monde Kaidi no say no Kaidi we say yes Kaidi nada say nada Ding 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 wa Sinsini Dédicace au Terry Djougou. Je dis ça que tiens Terry Djougou, profitez là.
Manima pour les bébés.
tenyo wanto fo kiyama Mwenye ma kulipi Niye Mwenye ma kulipi Niye Isa mworo nesa nji mworo Daga letu babo karanke Ule I'm from Montenegro, don't make it simple. I'm from Bayale, from Montenegro, don't make it simple. I'm from Montenegro, don't make it simple. Illa po manima ko lebe, ante yo to ko kiyama. Manima ko lebe, ante yo to ko kiyama. Merci d'avoir suivi ce numéro de Showtime. Voici donc le type, là vous avez les chroniqueurs Paul Agoubli et bien sûr Aurélie et là Yves Aymar. Mais là-haut c'est tout un monde. Nous saluons toute l'équipe technique. Merci à la marraine Rocky Assisoko qui a réalisé cette émission Showtime. Programme de divertissement sur RTI 1. Musique à gogo, musique cadeau. Merci une fois encore Ismaël Isaac. Ismaël Isaac. Merci à Bombastic DJ.